En termes d'émissions, il faudrait dire que notre pays est un peu avancé par rapport à ce que nous connaissons de la part des œuvres pontificales et missionnaires. Mais les problèmes que nous avons comme difficulté, justement, c'est justement cette praticabilité des moyens de communication. Parce que c'est un peu difficile lorsque, par exemple, nous organisons les descentes sur le terrain dans les différents diocèses. Le pays est trop grand d'abord. Nous avons 47 diocèses et actuellement, on a créé un autre diocèse. Donc, on a maintenant 48 diocèses, ce qui fait que alors, pour atteindre tous les diocèses, c'est un peu difficile parce qu'il y a carence des moyens de communication. Ça, c'est la première difficulté que nous avons. Et aussi la difficulté de la sécurité. La sécurité au niveau surtout de l'Est. Pour y arriver, il faut donc prendre aussi cet aspect en considération. Et quelquefois, on s'est dit comment faire. Et je vois même les diocèses de l'Est qui se trouvent en difficulté pour accomplir très bien la mission justement évangélisatrice. Vous serez mes témoins, un thème vraiment qui est en actualité, qui a la une, effectivement, et que le pape a annoncé pour cette année. Et vous savez, nous devons être justement des témoins du Christ partout. Et ainsi, ça nous inspire beaucoup de choses. Et c'est que notre façon d'agir, notre façon de faire aujourd'hui doit témoigner de la présence du Christ. Et nous devons justement apporter cette bonne nouvelle pour que les gens qui nous voient, les gens que nous rencontrons puissent justement savoir que nous sommes des envoyés du Christ et par-delà, ils peuvent aussi puiser quelque chose chez nous pour que finalement nous ayons cette même direction ou de la rencontre du Christ. Tout le monde est appelé à être missionnaire parce que c'est cela, c'est que le Christ nous demande. Et alors je demande donc aux chrétiens d'être justement des témoins partout où ils sont et de vouloir toujours être disponible pour cette mission que le Seigneur nous a confiée. Nous ne pouvons pas donc croiser les bras et chaque chrétien ne peut pas croiser les bras pour dire que voilà, moi je ne suis pas concerné. Tout le monde est missionnaire parce que le Christ l'a voulu ainsi.